Bédrat Hachem. Donc voilà, Bédrat Hachem. Donc là, on va essayer d'étudier aujourd'hui le Daf Tet Vav de Matseret Shabbat. D'accord ? Donc on en est à la première ligne de la page. Première ligne de la page, Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alors, on avait dit qu'il y avait 18 Xerot qui ont été imposés après avoir. Qui sont montés dans le grenier de Hanania ben Chezkia ben Garon, d'accord, et qu'ils ont fait un décompte entre les Talmidim de Beit Shammai et Talmidim de Beit Hillel. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de Beit Shammai, ils ont institué la Lacha comme la vie de Beit Shammai, a priori. Donc a priori, nous dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Yutret Gazrou, Be Yutret Nichleku, c'était 18 décrets qui étaient en réalité le résultat de 18 Machlokot entre Beit Shammai et Beit Hillel. Alors, il m'a dit, mais pourtant il y a une Braïta qui me dit qu'en réalité, c'était pas en Machlokot, c'était en accord. Il m'a Tania Ushvu. Il y a marqué que Ushvu, sur 18 points, ils se sont mis d'accord. C'est pas une discussion. C'était pas, il n'y avait pas de marquette, c'était sur 18 points, ils étaient d'accord. Alors la grande réponse, c'est pas qu'ils étaient d'accord, c'est qu'ils se sont mis d'accord. Au départ, ils étaient en discussion, et puis après, ils se sont mis d'accord. Vatania Ushvu, la grande te répond, Bobayom Nichleku, Ulmacha Ushvu. Ce jour-là, ils étaient d'accord. Ils étaient en. Finalement, non, au départ, ils étaient en marquette, et puis après, finalement, le lendemain, ils se sont mis d'accord. Donc effectivement, c'est vrai de dire quand on dit qu'ils sont en marquette, c'est vrai. Quand on dit qu'ils sont d'accord, c'est vrai. Très bien. Alors maintenant, on avait dit nous hier que entre Shammai et Hillel eux-mêmes, il n'y avait que trois. Il n'y avait que trois marloquettes. Très bien, donc exactement. Donc on va voir c'est quoi ces fameuses marloquettes. Goufa Amaravuna, Begimel Mekomot Nichleku, Shammai et Hillel. Shammai et Hillel eux-mêmes, ils ont été en discussion que. Dans trois cas, alors on va commencer à nous citer les trois cas. Alors le premier cas, c'est sur le chiour de Challah. Alors, c'est avec les bêtises, les rouchamiotes, machin, compagnie. Voilà. Alors voilà. T'as passé le petit. J'ai mis dans le WhatsApp, j'ai mis voilà, j'ai un petit truc ici. Les mesures. Comme j'ai pas vérifié si le papier il est clean au niveau truc, donc on l'envoie par WhatsApp. Numérique. Alors on va voir, je vais vous expliquer, enfin, c'est pas compliqué du tout. La Gemara elle explique comme ça. Elle nous dit que la marloquette entre Shammai et Hillel, la première marloquette, c'était sur le shiur de Challah. On sait que le shiur de Challah, c'est combien le shiur de Challah? Il y a marqué dans la Torah que c'est Omer les Goulgolettes. Enfin, en réalité, on sait que le shiur de Challah, c'est le shiur qui était de Issa. De la manne. La manne que les Bnei Israël recevaient chaque jour, c'était quoi? C'était quel chiour? C'était Asirit Haefa. C'est ça le chiour de manne que les Bnei Israël recevaient chaque jour. Asirit Haefa. D'accord? Alors, Asirit Haefa. C'est un dixième. Alors, c'est quoi un Asirit Haefa? C'est le dixième d'une Haefa. Alors, c'est quoi une Haefa? Alors, regardez, j'ai dans le petit truc que je vous ai envoyé en bas, le mémotechnique conversion là en bas, la petite partie en bas de la feuille. Il y a un moyen mnémotechnique qui est assez important de le connaître, c'est Kaesklaviagoudou. C'est juste un petit mot qui veut rien dire, mais. Voilà, Kaesklaviagoudou. Où tu vois le truc? Je l'ai mis en bas, tu vois, mnémotechnique conversion en bas de la page. Genre, je vois Kaesklav. Kaesklav. Kaesklav, tu le crois, tu veux. Kaesklaviagoudou. Yagoudou, c'est quand l'esclave. Comment un esclave, Yagoudou, tu es attaché? Non, je sais pas, j'ai mangé du français. Moi, c'est comme ça. Un collègue, c'est comme ça qu'on a. Esclave, voilà. C'est comment esclave? Esclave, y'a voilà, donc, alors, c'est quoi Kaïska dont tu diras chez Tevot? Alors, Kour, Efa, Sea, Kav, Loup, Betsa. D'accord? Et Yagoudou, c'est le truc Kaïska, Yagoudou. Donc, un Kour, c'est 10 Efot, un Efa, c'est Gimel, Seim, un Sea, c'est Vav, Betsim, un Kav. Alors, un Kour, c'est 10 Efa. Voilà, on va pas s'attarder sur chacun de. On va s'attarder que sur ce qui nous intéresse. Que ce qui nous intéresse. Là, voilà, sinon c'est. Alors c'est quoi ce qui nous intéresse nous? Donc le EFA c'est combien? Le EFA c'est combien de cabines? Donc j'ai marqué la première ligne, regardez selon le petit schéma en bas. Un EFA c'est 3 CIM, un CA c'est VAV cabine. Donc un EFA c'est 18 cabines. D'accord? Un EFA c'est 18 cabines. Clair ou pas? C'est la première ligne que j'ai écrit. Un EFA c'est 18 cabines. Donc Asirit EFA, un dixième de EFA. Alors voilà, alors nous on a un dixième selon notre langage à nous, et un dixième effectivement, donc nous c'est 10%, et un dixième de 18 cabines, c'est 1,8 cabines. Alors c'est ce que j'ai marqué, nous on a l'habitude de parler millégave, c'est-à-dire prix de l'intérieur, vu de l'intérieur. En réalité,
Donc ça c'est vrai effectivement, retenez cette information, c'est que 1 dixième de FA, a priori, c'est 1 dixième de 18 cabines, c'est 1,8 cabines. On va expliquer après combien ça fait en bêtises, parce qu'en réalité, 1,8 cabines... C'est pas 36 œufs alors, un cave, c'est combien de bêta? Regardez selon le schéma. Un cave, c'est combien de bêta? Un cave, c'est 4 logins, et un log, c'est 6 bêtises. Donc, un cave, c'est 24 bêtises. Un cave, c'est 4 logins, et un cave, c'est 24 bêtises. D'accord? Donc ça, c'est facile, pour l'instant, il n'y a pas de complication. Juste, ce qui est important de dire, c'est que le Asirita FA, donc c'est nous, on a l'habitude de dire que c'est 10%, donc c'est 1,8. Mais si on regarde 1000 bars, ça veut dire vu de l'extérieur, c'est-à-dire que le 1 dixième, qui va représenter 1 dixième, une fois que tu vas l'ajouter au total, donc ça fait qu'en réalité, c'est 10% de 18 plus 10%. Enfin, comment dire ça en France, j'arrive pas à... C'est, en fait, tu regardes les 1 dixième, ça correspond à 2 cabines. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi? Parce que 1 dixième de. Si tu prends les 18 cabines, tu les divises en 9 parts. Et tu prends une des 9 parts. En fait, c'est 1 neuvième en réalité. C'est 1 neuvième. Bah oui. 1 dixième millébar, c'est 1 neuvième. Puisque tu prends 9 parts et tu rajoutes une dixième, ça fait. Donc, et 1 neuvième de 18 cabines, c'est combien de cabines? Quoi? 1 neuvième de 18 cabines. C'est 2 cabines. Okay. Ah, c'est plus facile du coup. D'accord, du coup c'est plus facile. D'accord. Et on a des chiffons. Donc maintenant, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et nous, mais nous on doit retenir ces 1000 Alors voilà, c'est une marque-loquette justement. C'est la marque-loquette qu'on va avoir entre les avis de Shammai et Hillel et les avis de Chachamim qui vont venir par derrière. Alors premièrement, regardez l'avis de Shammai. Shammai lui nous dit Mikav Chala. Vilel Omrim Mikabaim. Donc Shammai lui te dit qu'un Chala c'est un cave. Alors comment il est arrivé à un cave? Parce que lui il te dit. Que c'est vrai que la quantité de manne qu'on recevait, c'était Asirita FA, ouais. D'accord, c'était 2 cabines, mais finalement, la manne, elle te servait à faire 2 repas. Un repas le matin et un repas le soir. Un câble le matin, un câble le soir. Donc, le shiur de Chala, quand on compare à la manne, c'est pas par rapport à la manne de toute la part journalière, mais c'est par rapport à la part de repas. Et donc, lui, il te dit que c'est un câble. Le shiur de Chala, c'est un câble. Donc, ça devient un 20ème, quoi. C'est un cave. Maintenant, Shammai, ça c'est Shammai. Il a lui te dit c'est Kabaï. C'est ce que j'ai expliqué. Donc le 1 dixième vu de l'extérieur, c'est 2 cabines, puisque 1 dixième d'une EFA qui représente 18 cabines, 1 dixième en termes de millébars, ça veut dire qu'en réalité c'est 1 neuvième, puisque en ajoutant cette partie-là, ça va faire que cette partie-là, elle va être le 10%. D'accord? C'est ce qui fait en réalité 2 cabines. 2 cabines. C'est quoi? C'est pour savoir à partir de quand on est khayav de khala? À partir de quelle quantité de kemar qu'on est khayav de khala, exactement. D'accord. Maintenant, Chachamim, eux, ils viennent te dire l'okedivrede, et la kav mertsa. Alors, un kav et demi. Alors, là, comme je dis, on est à 36, c'est ça? Alors, voilà, exactement. On va arriver avec ton bidou. Alors, comment on arrive à un kav et demi? Alors, déjà, il faut savoir que, il y avait plusieurs dévaluations des taux de change à l'époque. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu la première version, c'était la version Midbarit, ouais. Dans le désert, quand on parlait d'une EFA ou qu'on parlait dans Asirita EFA, on faisait référence à un certain Shio, d'accord? Et après, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont dévalué un petit peu les taux. Pourquoi? Parce que les Et en réalité, on est arrivé à garder les mêmes termes de Betsim, EFA, etc. Mais en réalité, ça représentait autre chose. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 6 betsim midbariot, c'est-à-dire qu'en fait les shiurim ont grandi. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, 6 betsim, bon je prends le betsim, mais c'est peut-être toutes les autres mesures aussi, 6 betsim rentraient dans 5 yerushalmiot. Donc ça veut dire que chaque yerushalmiot, en fait, elle contenait un betsa plus un cinquième de betsa. C'est-à-dire que c'est des yerushalmiot, elle était plus grande. Exactement. D'accord? Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Du coup, les 24 bêtises qu'il faisait. Alors maintenant, si on reprend sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Alors, lui, déjà, Chachamim, ils vont pas 1000 bars, donc pour eux, c'était pas 2 cabines, c'est 1,8 caves. Eux, ils calculent le 1 dixième, 10% d'hommage. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'il est en train de nous dire, là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de. Il te dit que c'est 10%. Donc lui, Chachamim, ils sont marloquettes avec Shammai Hillel, l'okidivrede. Lui, il considère que le Asirita FA, c'est Asirita FA milégave. Ça veut dire que c'est 10% mamash. Donc c'est 1,8 cabines. Donc 1,8 cabines. Alors si on dit que 1 cave, ça représente 24 betsim. D'accord? Alors, si tu prends
encore 20, tu enlèves 24 mid-bariot. 24, ben si, ouais, ouais, là on est dans. Non, c'est toujours les taux de change entre trucs, c'est mid-bariot ou Yerushalmiot, c'est la même chose. Mais là, on a parlé 1,8 cabine mid-bariot, ouais. Donc combien 1,8 cabine mid-bariot font en cabine Yerushalmiot? À savoir que 6 betim mid-bariot font 5 Yerushalmiot, c'est-à-dire qu'il y a une différence de 20%. Donc 20%, c'est-à-dire que le 1,8 qui le fait passer dans combien d'Yerushalmiot, ça revient 1,5. Un cave et demi. Pourquoi? Alors tu peux décomposer ça en betim, et quand tu décomposes en betim, tu peux y arriver facilement au résultat. Puisqu'en réalité, 1,8, en réalité, une effort, on a dit que c'est 18 cabines. Un cave, c'est 24 betim. D'accord? Donc en Asirut c'est 1,8. Donc disons que deux cabines, ça fait 48 betim. Donc tu enlèves. Tu dis pas 6 plus 25. Ça c'est quand tu as la calculatrice. Quand tu as la calculatrice, tu arrives facilement à 1,5. Exactement. Donc en réalité, l'idée c'est que 1,8 cabines Mid-Bariot rentre dans 1,5 cabines Yerushalmiot. Et donc c'est pour ça que Rabbi te dit que le chiot de Chala, il est un cave et demi. Donc encore une fois, pour retenir, donc il y a eu les deux premiers avis, Abin Shammai et de Hillel, qui eux calculaient le Asirut HaEfa vu de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il arrivait soit à un cave parce que tu divisais Seouda en deux, soit à deux cabines parce que deux cabines c'est 10% mille bar de 1,8 cave. D'accord. Non, enfin de 18 cabines. Et vient Chachamim te dit non, moi je suis pas d'accord que tu fais le calcul mille bar. Je veux 10% mille égards, à savoir 1,8 cabines. Et 1,8 cabines mid-bariot, ça correspond à kavachetzi Yerushalmiot, puisque la midam Yerushalmit a été agrandie de shtut, en sixième. D'accord? Et donc 1,8, quand tu le fais rentrer dans des midotes qui sont plus grandes de 1 sixième, ça fait un kavet demi. Ok? Maintenant, après, il y a une deuxième dévaluation. Ah oui, 18 divisé par 6, 3, voilà. 5. Il y a une deuxième dévaluation qui a été faite à Tzipori. D'accord, c'est quand le Bedin. Quand le Bedin. Non, mais là, c'est plus facile. Quand le Bedin est passé à Tzipori. J'essaie de faire le calcul dans ma tête, c'est compliqué pour moi. Donc maintenant, en réalité. Donc regardez. Et maintenant, pour dire en termes de Lugim. Donc maintenant, si le Kav. Maintenant, on est passé à la Midam Yerushalmit, c'est 1,5. Donc si un Kav, c'est 4 Lugim, puisque d'après le schéma qu'on a dit, un cave c'est 4 logins, donc un cave et demi c'est combien de logins? C'est 6. C'est 6 logins, très bien. Donc maintenant, vu que 6 logins, Yerushalmiot, alors la Midat Tziporit, cette fois-ci, il y a une évaluation qui a fait rentrer 4 logins Yerushalmit dans 5 logins Tziporit. 4 logins dans l'autre sens. C'est pas une dévaluation, c'est vrai. Excuse-moi, dans le même sens, excuse-moi. 6 logins, j'ai fini dans ce que j'ai écrit. 6 logins Yerushalmid rentrent dans 5 logins de la même chose. 6 logins. Donc 6 logins Yerushalmid rentrent dans 5 logins Tzipori. Donc ça veut dire qu'en termes de logins Tzipori, combien de logins ça fait? Il faut savoir que le log, il y a aussi une autre appellation, on appelle ça. Il y a 6 cinquièmes, je crois, il reste. Non, alors justement. Il reste 5. Ouais, c'est 5 logins, 6 logins. Les 1,5 sont venus, ils sont 6 logins, ils sont 6 cinquièmes. Non, pas 6 cinquièmes. Le truc de dire 5e, c'est quand tu compliques et que tu rentres dans les bêtises. Bon, là, j'ai envie d'éviter cette étape-là. Là, je suis juste en train de dire que la dévaluation par rapport à l'amida de Tzipori, c'est de faire rentrer 6 logins. Donc, il faut corriger dans le petit pied, c'est pas 4 logins, c'est 6 logins. 6 logins Yerushalmiot, de faire rentrer 5 logins. Donc, vu qu'un Kavvachetti, c'est 6 logins, donc ça représente combien de logins? 5 logins. 5 logins Tzipori, et le log, il s'appelle Rova, ce qui va nous dire Khamisha Revaim. Alors, regardez, ça va. Tu refais, t'as deux fois. Donc, maintenant, ça va être tout chou, là, dans la Gemara, regardez. T'as divisé par 6, t'as multiplié par 5, et ce résultat, tu l'envoies régulier. Mais t'as toujours le quand tu. Non, le 1/5. Le 5e, quand tu le rajoutes sur tous les logins, tu arrives à un 9 en plus. Alors, là, je suis pas encore dans la 5e. Non, parce que moi, je te parle du calcul, parce que le calcul, nous, on l'a fait avec le marqueté noir. Ouais. Il te donne exactement. Oui, non, non. Ah, ouais. Non,
quand tu rentres, dans la maths, moi je vous défie, je suis pas en train de médecine, Quand tu es converti en langue 2, mais quand tu es en langue 2, tu as des complications parce que tu n'arrives pas. Et, il reste tout. Rachid, il faut savoir que Rachid, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule. Parce que le bar, tu peux pas le couper. C'est pour ça, mais le bar t'énouera sur place, sur la Michelin. Rachid aussi, c'est là, c'est Rachid aussi. Le nombre 2, exact. Exactement, promets, je mets ça. Moi, je parle en chiffres. En fait, non, c'est tu prends 1000 baryotes, tu divises par 6, tu multiplies par 5, et ce résultat, tu le divises encore par 6, et tu encore. Voilà, et là, très bien. Donc là, maintenant, regarde ce que Mohamed va nous dire. Alors, en réalité, quand tu rentres dans Rachid, que tu rentres dans les complications, parce que la façon de Rachid de calculer, quand tu rentres dans les maths à la Rachid, c'est un petit peu compliqué, parce que Rachid, vu qu'il tenait pas. Il n'avait pas de calculette. Il n'avait pas de calculette, il n'avait pas de virgule. C'est la notion de virgule, ça existait pas. Donc tu vois, donc tu es obligé de te diviser, de rentrer dans la plus petite unité possible. Jusqu'à qu'il arrive au Betsa, après le Betsa il arrive au 1/5 de Betsa. Et donc, et parce qu'en réalité, ouais, moi je sais que c'est très bien. Parce que t'arrives avec des coupés, c'est pour exactement, ça. Exactement, alors regardez maintenant ce que nous dit la Gemara. Donc ça sera mieux dit l'Okedivrev. Et là, Kavumertsa. Donc Kavumertsa, comme j'ai expliqué, il parle en Mida Yerushalmit, parce qu'une Mida Yerushalmit, 1,8 Kav, c'est 1 Kav et demi. Et c'est Rachid qui explique le plus de Kavumertsa. Ouais. Son power, ok, ouais. Super. Alors, et la Kavumertsa, Khayav Bechala. Maintenant, Michik, dis-lou à Midot, dès que les Midot ont été encore dévalués à Tsipori. Donc finalement, Michik, dis-lou à Midot, Amou, Khameshet, Revaim, Kemar. Ils ont appelé ça 5 Revaim. Alors, Revaim, c'est l'autre appellation. C'est le synonyme du mot Lug. D'accord. Donc, c'est 5 Lugim de Kemar. 5 Lugim de Kemar, parce que, comme on a expliqué, que 1 Kav et demi, c'est 6 Lugim. Et donc, 6 Lugim, ça représente, par rapport aux Midot de Tsipori, 6 Lugim, Khamesh, Revaim, Khamesh Lugim de Kemar. Khavin et Bhala. Alors, Rabbi aussi, Omer, lui, il te dit Rabbi aussi. Khamesh Turin, Khamesh Vot Khayavin. Il te dit qu'en réalité, il faut rajouter encore, lui, il te dit, il faut rajouter un vingtième. Alors, pourquoi il faut rajouter un vingtième? Parce que lui, il te dit que cette mesure-là de, que la Torah te parle de Asiri Taïfa, c'est ce qui est Patour. Mais c'est au-delà de ça qui est Khayav. Asiri Taïfa, c'est Patour. Au-delà de là, c'est Khayav. C'est quoi le petit au-delà? L'au-delà, il dit que c'est un vingtième. Par rapport à chacun des avis, ou lui, il reste sur Khayavin? Alors, lui, il reste sur Khayavin, a priori. D'accord? Khamesh Pturim, Khamesh Veot Chayavim. Parce que tu vois bien, il te parle de Khamesh Revaim de Midat Siporit. Le Veot, c'est un matchem. Ouais, c'est un matchem, tu dis. Merci. Moi, avec une question que je comprenne. Le Bathénoa sur la Mishnah sur place, il se rapporte à ces calculs. À ce calcul-là, c'est par rapport à ça, par rapport à cette. Cette référence là. Ok, c'est. Parce que c'est marrant, parce que. C'est sa référence, ok. Tu parles du Bartonora, si tu veux, Machret Shabbat sur les 18K, il revient ça. Non, c'est sur les Duyotes. Ah, dans les Duyotes, d'accord, ok. Dans les Duyotes, c'est cette couche là. Ah, d'accord, ok, très bien, ok. D'accord. Très bien, super nickel, exactement. D'accord, c'est le début des Duyotes, ça. D'accord. Alors, maintenant, Agmar, elle te dit que. Ça, c'était le premier cas des trois Marcotot entre Béchamay et Béthilel. Deuxième cas, c'est quoi? Non, entre Yel et Shamay. Il est Shamay, travaille. Il est Shamay. Deuxième cas, Vehidar, c'est quoi l'autre? Il est l'homère, Melohin Maïm Shouvin Postim et Amigve, chez Chaya Madame Lomar Bilachon Rabo. Donc en fait, il y a une discussion aussi quand on remplit un Migve. On sait que le chiffre d'un Migve, c'est combien? 40 CA. Quand tu as un Migve qui fait 40 CA, après, t'as beau mettre. C'est quoi le Migve? Le Migve, c'est des Maïm de l'eau de pluie, on va dire. De l'eau de pluie. D'accord? De l'eau de pluie. Non, c'est pas, surtout pas Maïm Shouvin. Surtout pas Maïm Shouvin. C'est de l'eau de pluie. De l'eau de pluie. Le Migvé, c'est de l'eau de pluie. Maïm Shouvim, c'est de l'eau. De l'eau puisée. Il ne faut pas de l'eau puisée, justement. Il ne faut pas que ce soit Maïm Shouvim. Maïm Shouvim, c'est possède ta Migvé. Ah, maintenant. Quand tu as les Arbaïm CA d'eau de pluie, tu rajoutes par-dessus, c'est ce qu'on fait, nous. Tu rajoutes par-dessus, soit par Zria, des façons, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas possède le Migvé. Par contre, quand tu n'es pas encore arrivé à 40 CA, et que tu veux t'arriver à 40 CA moins une certaine quantité, alors là, il y a une quantité qui va pas être possible de compléter avec de l'eau Shouvim. Il y a une quantité que ça va être possible. Alors c'est quoi donc c'est ce qu'on appelle ce qui est possède un migvé. C'est quoi ce qui est possède un migvé? Il y a la quantité de Maïm Shouvim qui est possède un migvé. Alors il y a une marque entre Shamaï et Hillel. C'est quoi la vie? Avec l'histoire avec un nom d'Alion, je crois pas là, qui a dit In avec. Kravak, exactement, Bidouk, c'est exactement ça. Parce que en fait, c'était lui, Shiou, il dit Gimel, il te dit In. 3 In. Non, combien de In? Encore une fois, il est l'homère, Melo In, 1 In, 1 In. C'est quoi un In? Alors un In, c'est une autre mesure qui n'est pas dans le moyen terme technique de Kestav Yagoudou. Le in, c'est 12 lugin. 12 lugin. Donc ça veut dire 12 lugin. C'est quoi ce qui possède le migvé? Donc quand tu as Arbaim CA, donc Arbaim CA, un CA c'est combien de lugin? Un CA c'est 24 lugin. Donc tu as 24 fois 40, d'accord? Donc je trouve avec une bonne quantité de CIN. Ouais, c'est pas mal. Donc ça c'est le migvé, Arbaim CA.
D'accord? Et ben 12 logins. Si tu manques 12 logins, tu ne peux pas les compléter avec du Shehuvim. D'accord? 12 logins, c'est pour celle de ta migré. Maintenant, ça c'est le hin. Ah, mais pourquoi il a appelé ça hin? Avant d'arriver au 41, d'accord? Avant d'arriver au 41. C'est-à-dire que si j'ai 40 moins 13. 40 moins 11. 40 moins 11 et que c'est du même Shehuvim, c'est bon. Je peux rajouter du Shehuvim. 40 moins 12, je suis déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Maintenant, l'admiral te dit que pourquoi lui il a employé ce terme de in alors que normalement appelle ça des logins, on appelle ça des logins. L'admiral te dit parce qu'il utilise la chaîne rabot. Alors comme il a dit Ethan, c'est quoi la chaîne rabot? C'est ce qu'il a entendu de Shmaya Veftalion qui eux utilisaient cette expression là de in. C'était ça la mesure qu'il utilisait. Parce qu'une règle, il expliquait son personne, il était meilleur et ils n'arrivaient pas à prononcer les lettres. Sur la mission sur place dans les bilotes, il lui dit le martien noir. Comme c'était les Nessim à l'époque, ouais. C'était eux les Nassim, mais ouais. C'était les Grecs. Mais c'est Raham. Ils étaient les Midgaïers, ils n'avaient pas prononcé des lettres en hébreu. Donc le Hin, c'était facile. Donc c'est là où on apprend, comme c'était le maître de Hillel, et lui, Hillel a dit moi je dis que ce que mon maître m'a dit, il m'a dit Hin. Moi je répète. Il a dit avec la lettre, il a enseigné avec la lettre. Hein. En tout cas. En tout cas, la Gemara te dit ici que voilà, ce que nous dit ici la Mishnah, enfin la Mishnah, ce qu'elle dit, c'est que Chayav Adam Lomar Blishon Rabo, donc lui, il a repris le terme de son maître quand il a dit in, même si on aurait été nous dans notre. C'est avec Kalef. Ah, toi tu dis hé avec Kalef. Dans la Mishnah, c'est marqué avec Kalef. Dans la Mishnah, c'est marqué avec Kalef. Alors ici, Rashi, en tête, il faut voir dans le Bartonora, mais en réalité, ici, Rashi te dit que in, c'est la chaîne de la Mishnah. Parce qu'en réalité, nous, on aurait dit. Hint, c'est le lachon de la Torah, et pas le lachon de la Mishnah. Normalement, nous, quand on peut parler de cette mesure-là, on parle de Lugin. On parle pas de Hin. Hin, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Revi, Tahin, etc. C'est des choses qui sont marquées dans la Torah. Donc, il te dit, je crée Adam Mishnah de Rabou, parce que vu que Shmaïa Vavtalion, eux, ils ont pris ce langage-là, donc c'est pour ça qu'il a répété ce langage-là. Et Rachid, dans un deuxième, puis où c'est quoi la chaîne de Rabou? Peut-être que ça ne fait pas référence à Shmaïa Vavtalion, ça fait référence à Moshe Rabbeinu. Dans la Torah, c'est marqué le terme de Hin, donc lui aussi, là, oui. Mais ça, Rachid réfute tout de suite le Pirushta, parce que sinon, pourquoi on parle de Hin? On devrait tout le temps parler de Hin. De Batraïta, parce que même dans le Mishnah, voilà, donc il a réfuté le Pirushta. Ah voilà, là, Rachid rend pas cette distinction-là de Aleph et de Hin. Bah, ok, très bien. Maintenant, c'est ce que nous dit la Gemara, donc là, c'est pour ça que, c'est ce qu'ils disent Shammai. Shammai, ils te disent. Non, ça, c'est Hillel, plus que moi. Hillel, ils te disent que Melohin, Maïn, Jehuvin, Poslim et Amigvé. Je crée Adam Mishon Rabo. Shamayomer, Tisha Kabin. Lui te dit non, c'est 9 cabines qui sont poslim le Mikvé. Donc 9 cabines, c'est une grande quantité. Hein. C'est à savoir qu'on a dit qu'un cave, c'est 4 login. Donc 9 cabines, donc lui, il a beaucoup plus de tolérance. D'accord? Il est plus mekel ici. Alors, et Chachamim, il te dit Lokedivrede. Achebaou Gimel Gardim. Alors, regarde, c'est intéressant. Il te dit Lokedivrede, ni comme Shamay, ni comme Hillel. Donc c'est pas ça le vrai chiour qui possède le migvé. Jusqu'à ce qu'on a deux petits artisans qui sont venus et qui ont témoigné. Et c'est sur eux que le Hamisraël s'appuie. Ah tiens, je t'ai gardé Misharaj, pas ils sont venus. Deux gardim qui habitaient à Yerushalayim, à l'entrée de Yerushalayim, Misharaj, pas qui est l'endroit. C'est-à-dire qu'ils habitaient vraiment dans les bidonvilles de Yerushalayim, juste à côté des poubelles. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'était non seulement des gens qui n'étaient pas Avrechim, voilà. Si tu veux. Et qui venaient d'un endroit qui était d'un endroit de pauvres, et c'est eux qui ont fixé la rafale. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas. Elle, la Torah, elle peut être n'importe où, même des gens qui. C'est qui... pas bah, c'était pas le thème des Chachamim, enfin, pas autant en tout cas que les Tanaïm et les Amoraïs. Ah, mais c'est venu par. Ouais, non, c'est pour dire qu'on justement, on te dit que tu vois bien que même chez eux, tu peux trouver de la Torah, quoi. La Torah, elle peut venir et la rafale peut te fixer, même à partir de gens qui. Au contraire, eux, ils avaient une mala quelque part, c'est que c'était. Ils n'étaient pas aussi érudits que les autres, et malgré tout, ils ont réussi à. Ils ont une part de Torah, quoi. Ils ont Yeshlem Chelek, quoi. Alors maintenant, ça, on te dit que. Atchebaou, Shtegardi, Misharaj, Pashibouchalaim, Veidou, ils ont témoigné, Mishmaïa Vavtalion, au nom de Shmaïa Vavtalion, et ils ont dit que. Sheshlocha Lugin, Maim, Shuvin, Poslimetamikve. C'est que 3 Lugin, donc la quantité vraiment. C'est eux les plus marqués. C'est un quart, ouais. Un quart de ce qu'on avait dit. Un c'est 12. Un c'est 12. Et un c'est 2. 9 Kabis, c'est 36. 9. Ouais, ça, correct. Ouais, d'accord. Alors, et sauf en vérité, voilà, les deux qu'on vient de voir, les deux cas, ils sont en marloquette. Et sauf à chaque fois, on est. Il y a Rami qui vient d'expliquer. On fait pas la lachni comme la connexion. Ouais, parce que même ces marloquettes là, où c'est les rares marloquettes, en gros, ils sont marloquettes, il y a Rami qui vient et qui dit non, ni comme un ni comme l'autre. Ouais.
Vekim Khachami Divré. Les Khachami, ils ont maintenu les paroles de ces gardiens là, si c'est comme ça la halakha. Eux, ils ont rapporté la halakha dans le chemin de la Vedanot, c'est comme ça qu'on tranche. Veïda, c'est le cas de la première Mishnah de Masret Nida. Donc voilà, c'est quoi, c'est quoi le Nian? Tous ces trois cas, ils sont dans. Dans les douillettes. C'est ça, c'est ça le but des douillettes, un petit peu. Mais les douillettes, c'est pas ce qui était dit le jour. Le jour. Rabbi Nazar Ben Nazaré, il a été tenu. Elle est méchante, c'est pas vrai, parce que tu sors sur. T'as toute la Torah. Ils ont dit que. Alors, Benidar, c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre cas sur lequel. Il y en a un cas, c'est pas Benidar. Alors, c'est quoi? Ah là, Benidar. Normalement, c'est qu'une femme qui voit qu'il y a un écoulement de sang, elle a justement. Ouais, elle a un écoulement de sang, elle est Tmea. Maintenant, viennent Shammai et Hillel, ils te disent que. D'après Shammai, ils te disent, ok, elle est Tmea, que par contre d'aujourd'hui. Hier, elle n'est pas Tmea. Si hier, elle avait touché de la Trouma, elle n'est pas Tmea. D'après Hillel, ils te disent, non, on est Mahmir. À partir du premier jour où elle. Depuis la dernière vérification qu'elle avait faite. Hillel donne une rétroactivité. Rétroactivité. Il n'est plus Mahmir. Au premier jour. Voilà, exactement. Hillel, c'est Boudika. Non. Ça, c'est le troisième avis, ça, Boudika, ou 24 heures. D'après Shammai. Il n'y a pas de rétroactivité, donc c'est Mikan ou Léaba, par ce de là. Ouais. Truc. Et d'après Hillel, c'est seulement depuis la dernière Bdika, même si elle a été faite il y a deux semaines. Okay. Donc si la dernière fois que la femme s'est vérifiée, c'était il y a deux semaines et qu'elle était propre, la dernière fois qu'elle s'est à 100% qu'elle était propre, c'était il y a deux semaines, bah tout ce qui est en dans deux semaines là, c'est tamé. Tandis, et après, il y a Khachami, encore une fois, qui disent que l'eau est livrée et qui disent qu'en fait, que non, en réalité, c'est soit 24 heures, soit la dernière Bdika, le plus mekel des deux. C'est-à-dire que si jamais on a fait une Bdika, dans les 24 heures, donc on va aller selon l'abdika. C'est la première Mishnah de Matan Nida d'Avbet. C'est la première Mishnah. Alors ce que nous dit Agmara, Veïda, c'est quoi l'autre cas? Shammai Omer. Shammai nous dit que Kol Anashim Dayan Shatam. Toutes les femmes, leur heure, elle est suffisante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont vu, c'est à partir de ce moment-là qu'on rentame. Et tandis que Shammai, il a dit quoi? Il est le même Ipkida, l'Ipkida. Ce qu'il a, c'est une bdika, d'une vérification à une autre vérification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui considère que, même si c'est vrai qu'elle a vu du sang qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'en réalité, à l'intérieur de son corps, le sang était déjà sorti du macor, il était déjà sorti de l'endroit de l'année d'août, et jusque, il n'est pas encore sorti carrément sur son corps, mais il s'est déjà détaché, et la femme est déjà tméa. Donc c'est pour ça qu'on interdit depuis la dernière bdika, dans le doute, hein, c'est dans le doute, bien entendu. Va filou les mêmes même beaucoup de jours. Et Khamim te dit non, l'okidivrede, la met l'aide, mais ma à l'idée, m'kida, m'kida. 24 heures, si jamais, 24 heures, c'est plutôt, la dernière vérification a été au-delà de 24 heures, donc on va prendre les 24 heures. Si jamais la dernière vérification a été avant 24 heures, on va faire la vérification. Et met mais ma à l'idée, m'kida, m'kida, ou m'kida, l'ipkida, mais ma à l'idée, met l'aide, donc ça veut dire on va aller le plus calme de tous. En fait, c'est quoi qui est marqué? Il y a toujours un ami qui vient derrière et qui casse les embrouilles. Qui casse l'ambiance. Sur la marloquette, Il est d'accord avec eux sur deux points, et sur un point, il ne sera pas d'accord avec Benjamin. Ah, c'est un grand cri, ça. Top. En tout cas, là, pour l'instant, ici, on. Donc là, ça, il y a trois cas. La Gmala dit, ah bon, il n'y a que ça, avec tous les cas, il n'y a que ça. Il y en a un autre, c'est quoi? C'est par rapport à la smicha du korban. On sait qu'on doit porter. Sur chaque korban, normalement, on doit faire une smicha. Maintenant, le korban qu'on apporte à Yom Tov, par exemple, au Latreya, qu'on apporte à Yom Tov. Donc c'est Yom Tov. Yom Tov, normalement, on sait qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur une bête parce que à son lissement à la BMO. On n'a pas le droit de s'appuyer sur une bête. D'accord? La Shela, c'est est-ce qu'on a le droit de faire la smicha sur la BMA pendant Yom Tov? Ça, c'est une marloquette en réalité qui est une marloquette, ce qu'on appelle une marloquette ancestrale. D'accord? En réalité, tu vois dans ma Sotra Giga, la belle rapporte que tous les zougotes de Pirkei Avot, ils sont passés la marloquette de génération en génération. Ah bon? Ouais. C'était une marloquette. En réalité, chaque fois qu'on avait ce problème, il y avait toujours ça, voilà. Comme ça. Donc maintenant, dans son cas, Agma va dire que c'est vrai que Shammai, au final, ils sont aussi en marloquette, mais c'est pas leur marloquette, c'est une marloquette qui date d'avant ça. Donc tout le dialogue ici. Mais en ce sens, on ne dit pas qu'il n'y a pas de. L'okédivrede. Non! Là, c'est soit lui, soit vous, soit non. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas de. Shvout. Ah, c'est peut-être obligatoire. Ah, maintenant, Agma te dit, Vetul Leika, Veaika, il l'omer l'ismor, Veshama l'omer chez l'eau l'ismor. Il devait faire quelque chose, non? Alors, maintenant,
Là, c'était quoi la méthode, qu'est-ce qui se faisait au Betamigdash? Apparemment, il n'y a personne qui se rappelle de ce qui se faisait au Betamigdash. C'est déjà une marque même à l'époque du Betamigdash, hein, c'est pas. Ouais, c'est alors, le Betamigdash, comment ils avaient tranché? Il a posé une pause, elle a raison, mais les gens ne se rappellent pas ce qui se faisait. Bon, au Betamigdash, il y a les Tunisiens, ils sont mis de côté, les Marocains, ils sont mis de côté. Il a dit, moi, je faisais comme ça, un truc. Ouais. Il pouvait y avoir des trucs comme ça. Il y avait une massorette, je veux dire. Massorette, après, à quel moment la massorette? Ça veut dire, madame, deuxième Betamigdash. Le premier, il est plus. À quel moment la massorette, elle a commencé un petit peu à être un petit peu plus embrouillée? Ouais, c'est vrai que c'est. Le Kenya, après deuxième Betamigdash, quoi, parce que quand ils sont revenus, qu'ils ont arrêté pendant 70 ans. Ouais, d'accord. Maintenant, moi, elle te dit, la chose suivante, elle te dit que non, ça, c'est pas une marque de Shomaï Hillel. C'est quand il n'y a pas une marquette de leur mettre derrière eux. Tandis que celle-là, c'est une marquette de tous les zougotes de Avot, pire qu'avant, ils sont marquettes comme ça. Et donc c'est pas ça, c'est pas ça une marquette de Shammai Hillel. Véalagmoite le rapporte, Véaïka Botsir Lagat, il y a aussi un autre cas, un cas par rapport à Marcherine. Donc Marcherine, c'est la fameuse préparation à Mekabel Touma. Est-ce que à un moment, c'est pour pouvoir préparer un aliment à Mekabel Touma, il faut qu'il soit mouillé. D'accord, ce qu'on appelle Mourcha. Préparation à Kabbalat Touma. Maintenant, est-ce que celui qui va cueillir du raisin, mais il va cueillir ce raisin là hein, et en le cueillant, il y a un petit peu de jus qui va sortir, mais lui il va le cueillir, Sarsi va le cueillir pour en manger en raisin, pour en faire des petits raisins secs, il n'est pas du tout intéressé du liquide. Donc là ce liquide là, c'est sûr, on avait dit que pour que ce liquide là il puisse préparer la touma, il faut qu'on soit intéressé de ce liquide là. Mais là le problème c'est que lui il va cueillir pour après le mettre au pressoir et faire du vin. Donc là c'est vrai qu'il va pas récupérer ici maintenant parce que ça va tomber par terre. Mais en soi, il va faire du vin. Donc ce vin-là, quelque part, c'est ça tout le but de son action, c'est de récupérer du vin. Donc est-ce qu'on va faire une xéra et on va dire que ce hercher-là, on va dire que ça s'appelle comme si tu es intéressé de ce vin-là au moment de la cueillette ou pas? Il y a aussi une marquette entre Shammai Hillel sur ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que chacun dit? Alors, Abotser Lagat Shammai Omer Urcha, lui dit que c'est un bon hercher, donc là, il est préparé à la Touma, et il est l'Omer le Urcha. Alors pourquoi Bemet, ce cas-là, on te le cite pas? Là, moi, je dis non, Barmine Dehaï. Barmina, c'est-à-dire à part ce cas-là, donc ne compte pas ce cas-là. Pourquoi? Parce que des Hatam, Kachatik, il est le Shammai, au final, il s'est mis d'accord avec Shammai, au final, il a accepté ce qu'il a dit. C'est vrai qu'au départ, il n'était pas d'accord. Un peu comme les 18 ans entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et au final, il lui a été d'accord que Urchar, que c'est un bon Urchar. Très bien. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait dit hier. On avait rapporté Yossi ben Yoaizer Ishit Sereda, Yossi ben Yochanan Ishit Yerushalayim, qui eux avaient fait une xéra sur Eretz Ha'amim et sur Klis Ruchit. Eretz Ha'amim, c'était eux qui avaient décrété que quelqu'un qui rentre de la Touma, de la Trouma, en Khusla Aretz, cette Trouma-là, il faut la brûler. Eretz Ha'amim, c'est Touma. D'accord? Il y a de la... Non. Eretz Israël, le type, il a de la Trouma de Eretz Israël. Ouais, il va avec en Khusla. Il va avec en Khusla Aretz. Okay. Il ne peut pas la manger. Ils ont la brûlée, elle est Tmea. Même dans le avir de Khoutsalaret, on va voir, il y a le avir Khoutsalaret, il faut toucher la terre de Khoutsalaret. D'accord? On va voir. Donc, du coup, il a si elle est dans une boîte, c'est Maché Wacher. Mais si elle est dans le avir du Khoutsalaret, d'accord? Donc c'était très grave de sortir des traumas de. Ah oui, c'est très grave, bien sûr, Vadaï. C'est-à-dire que c'est comme si tu l'as rendu tamé. Beyadaï. Beyadaï, ouais. On regarde ce que l'Agma te dit. Alors, on m'a dit. Donc, ça, c'était là ce qu'ils ont décrit. On nous a rapporté ça hier en disant que c'était. C'était Yossi et Yossi qui ont fait cette dira-là. L'Agma dit, ah bon, comment tu peux me dire que c'est Yossi et Yossi? Pourtant, ouais, Yossi et Yossi, c'est Yossi Ben Yoézer Ishtemeda, Yossi Ben Yochanan Ishtemeshalaim. Donc, communément, pour les intimes, on les appelle Yossi et Yossi. D'accord? Les deux Yossi. C'est comme ça, Rashi rapporte en tout cas. Ve'a Rabbanan de Shmonim Shana Gazou. C'est pas Yossi et Yossi qui ont découvert ça. C'est les Rabbanim de Shmonim Shana. Alors, c'est quoi les Rabbanim de Shmonim Shana? Qui étaient 80 ans avant la destruction du Beit HaMikdash. Et on va voir qu'il y avait des xérotes qui ont été faits depuis 180 ans avant la destruction du Beit HaMikdash. Et ceux, les rabbanim qui étaient à l'époque 80 ans avant l'époque du Beit HaMikdash, c'est eux qui ont décrété que Eretz Ha'amim. À l'époque du Nars, quoi. Non. Deuxième. Donc maintenant, on va voir. Après, l'Agma va proposer peut-être que c'était eux, les rabbanim de 80 ans. Alors, l'Agma va dire que c'est pas possible. Regardez pourquoi. Parce que l'Agma va nous dire. Alors, Ve'ar Banan de Shmonim Shana Gazur, c'est les rabbanim de 80 ans avant la destruction. Destruction du Beit HaMikdash qui ont fait etc. D'où on sait parce qu'il y a un enseignement qui nous dit la chose suivante. Une fois, Dama Avkana Kishechala Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Rabbi Shmuel le fils de Rabbi Yossi, il est tombé malade. Donc certainement suite à l'embrouille qu'on avait étudié Cher dans Nida. Il est mort, ce sauf. À la fin, il n'a pas vu son père quoi. Ouais. Bon, c'était, il y avait là-bas, avec Rabbi Shmuel Ben Yochai, qu'il est parti avec Rabbi Shmuel Ben Yochai
à Romy pour essayer de calmer les embrouilles. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a lancé un wahad regard. Il a fait une jambe de clara. Et au Bassaf, il s'en est pas sorti en Ardennes, quoi. Même si au départ, il a promis à son père, il a dit, tu sais quoi, je prends ton fils, mais t'inquiète, je lui fais rien. Au final, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas tenu. Et à un moment, il a vraiment fait un petit sourire. Il a fait un petit truc de travers. Il a dit, quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te moques de moi? Et ah. Au final, le truc. Bon, en tout cas, sûrement, c'était par rapport à ça, j'imagine, que c'est cette maladie-là. C'est en tout cas, Kishikhala Rabbi aussi, Rabbi Shimon Rabbi aussi, Shalchulo lui a envoyé. Rabbi, Emor Lanouch Shtaim Vegimol Varim Shamarta Mishum Avicha. Dis-nous deux, trois chidushim de ton père. Son père, c'était Rabbi aussi Ben Khalafta, qui était un des grands, des très grands Tanaïm. D'accord? Dis-nous une des halachot que ton père t'a enseigné. Et il leur a dit, Shalach Laim, il leur a dit la chose suivante. Kachamaraba, ainsi. Mon père a dit, donc Rabbi Yossi Bar Khalafta. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Kouf Peshana, donc 180 ans, Atchelo Kharav Abayit, avant la destruction du Beth Amikdash, Pashta Malchuta Racha à l'Israël. La Malchuta Racha, c'est qui la Malchuta Racha? C'est Romy. La Romy, elle s'est. Ils avaient déjà mis la main sur Israël, ils étaient en pleine conquête d'Israël, 180 ans déjà avant la destruction du Beth Amikdash. C'était un de leurs territoires, mais ils ont laissé le Beth Amikdash en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'exactement, ils avaient commencé la conquête. Maintenant, Rachid dit qu'il trille le Kofshan. Maintenant, ça c'est 180 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, Peshana, Shmonim Shana, Hachelo Kharav Abayit, 80 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Gazvut, Umal, Eretzamim, Valkle Trukhit. Ils ont fait une zira justement, cette fameuse zira que nous on a rapportée au nom de Yossi et Yossi. Lui nous dit que c'est les rabbinim de 80 ans qui ont décrété qu'il y avait une Touma sur Eretzamim. Et sur Kle Trukhit, comme on va voir juste après aussi. Et même Shana, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Hachelo Kharav Abayit, Galta la Sanhedrin, le Sanhedrin a été exilé, Veyashvala Bechanouyot, et elle s'est. Le Sanhedrin s'est assis dans des Chanouyot. Il allait dans les arrière-cours des magasins. Quand on dit qu'il est exilé, c'est-à-dire qu'on les a envoyés de la Hachkatzin. Quand on dit exilé ici, ça veut dire qu'en réalité, le Sanhedrin, il suivait tout le temps le Nassi. Où le Nassi il allait, le Sanhedrin déménageait. Donc quand on dit que dans la Sret Rosh Hashanah, comme on raconte les étapes du Sanhedrin où il a été exilé, c'est à chaque fois parce que le Nassi il déménageait. Quand le Nassi déménageait, il était à Yavne, après de Yavne il est parti à Oucha, après de Oucha il est revenu à Yavne, après de Yavne il est passé à Oucha. Il y a eu plein d'étapes. Au départ il a démarré au Chanouyot. Le Nassi il a déménagé. Non, ça démarrait comme ça au départ. Au départ c'était quand ça a été exilé d'Yerushalayim. C'était l'endroit où le plus proche du Nassi là, dans les Chanouyot, ouais. Ah, c'est pas dans les Chanouyot de Yerushalayim, si, de Yerushalayim, a priori, les Chanouyot. Chanouyot de Yerushalayim, a priori. Non, c'est la première étape, t'as raison que la première étape, c'est pas simplement par rapport au déménagement. Ça me fait de. Ouais, c'est ça, exactement. Si j'ai plus au Beth Amikdash. Mais après, quand on va voir justement toutes les étapes d'après, c'était par rapport au déménagement du Nassi. Les maîtres, maintenant, l'Agma te dit que. Donc, quelle est la phrase que tu viens m'apprendre en me disant que le Beth Din, le Sanhedrin, il a déménagé, il est plus dans la Lishkat HaGazit, il est plus dans le Beth Amikdash, il est maintenant dans les Chanouyot. Qu'est-ce que ça me change? Alors, moi, je te dis que, à cause de ça, c'est pour dire qu'il ne faisait plus les punitions de Knesset. Maintenant, pour les Knesset, ça dépend du Lishkat HaGazit. C'est quoi les Knesset? Par exemple, Arba Vachamisha, celui qui est Gonev, il faut qu'il soit. Voilà, pas besoin d'être au Lishkat HaGazit. Jine Knesset, Salkadater. La Gemara dit non, et là, Emma, Shelo, Danou, Jine Nefashot. C'est qu'il ne faisait plus de Jine Nefashot. De quoi? Jine Nefashot, c'est-à-dire même les Malkout ou... Non, Malkout il faisait, je pense. Juste, Mita. Jine Nefashot, c'est Mita. Alors, la Gemara, en tout cas, Nekuda. Donc, en tout cas, tu vois bien que cette Zera-là de Eretz Ha'Amim et de Christophrit, c'est dans les Tsikhamim Shel Shmonim Shana. C'est pas Yossi et Yossi. Alors, oui, Khitema, Beshmonim Shana, Nami, Inhu, Avu. Si tu veux me dire que dans les 80 ans, c'était eux, ces Chachamim là, moi je vais te prouver que c'était pas ça. Pourquoi? Ben attends, il y a premier marqué que Hillel. Alors là, on va nous dire un petit peu la chronologie des Nessim. D'accord? Il y avait Hillel Azaken, qui était le premier. Shimon, son fils. Hillel et Shimon. Et après, il y a eu Gamliel, le fils de ces Rabban Gamliel. Et après, il y a Shimon, c'était Rabban Shimon et Gamliel, Rajbag. Eux, Nagou, Nessiutam, Lifna Bait, Meashana. Eux, ils étaient Nessim depuis 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Donc Hillel a commencé 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Or Yossi, 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 Yoss
Tchouf Pirkei Avot, il y avait après ça, il y avait Avtalion, il y avait Rabbi Shimon Ben Chattach et... C'est avant. C'est bien avant alors. Shimon Ben Chattach, c'est les maîtres d'Hillel. Donc justement, c'est ce que je te dis. Bien avant. Donc eux, ils étaient bien avant Shimon Ben Avtalion. Eux, ils étaient bien. Donc il y avait Shimon Ben, il y avait Shimon Ben Avtalion, il y avait... Je n'ai pas en tête tous les trucs qui sont... Et aussi, c'était bien avant. Donc aussi, il était avant Shimon Ben Avtalion, etc. Donc il est, tu me dis qu'il était 100 ans. Et aussi Ben Yoeder, si tu regardes dans la liste, dans Pirkei Avot là-bas, ils étaient bien deux trois générations avant. Donc forcément, ils n'étaient pas à 80 ans. C'est peut-être eux qui ont été métaqués, mais que 80 ans après qu'on a... Alors on va voir ce qui s'est passé finalement, on va voir qu'il y a eu des étapes. Exactement, on va voir comment s'est passé les étapes. On avait dit... On va voir des étapes de l'Agdera, et là on va essayer de définir quelles étaient les étapes. Alors, vérité, ma Shmonim Shana Nami Inouï, vous pouvez remarquer que il avait Shimon, Gamliel avait Shimon, Nagoni Shirotan Ifna Bait, mais Ashana, Veilou Yossi Ben Yoda, Ishtirita Vesim Yochanan, Avukad Mutuva, ils étaient bien avant, il y a plusieurs Dorot, dans Matsrata Vot, Rachid te dit, dans Matsrata Vot, on voit qu'ils étaient beaucoup de Dorot avant. Alors, Agmal te dit, et là, ce qui s'est passé, Atu Hinou Gazour, ils sont venus, Yossi, ils ont fait la première Xera, c'est quoi la première Xera? De dire que Agusha, l'Istrof. C'est-à-dire que si jamais la Trouma est en contact avec la Terre, hein? 5 générations avant. Il est le Shammai, c'était le 5e Zoom. D'accord. Et Yossi, c'était le premier Zoom. Et il y a eu 3 entre eux. C'est ça. D'accord. Si je ne me trompe pas, il y avait Shammai Avtalion, il y avait Ben Shammai Avtalion, c'est le 4e. Shammai Avtalion, il y avait Shimon Ben Shetar. Je ne sais plus. Ben Nosa. Non. Alors, maintenant, la Gemara te dit que ce qui s'est passé en fait, c'est que Yossi, ils ont commencé la Xéra. Si ça touche le sable de Khoussa Laret, parce que tout le problème de Khoussa Laret, c'est quoi le problème de Khoussa Laret? C'est qu'on avait dit que peut-être que leur terre, elle est remplie de saleté de mort. D'accord? Donc, ils ont interdit sur la terre. L'Israf, ils ont dit que si jamais une Trouma touche, ben, on brûle la Trouma. Ils n'ont pas fait une demi-étape au niveau de la Trouma, direct on brûle. Va avira velo klum. Pour entendre l'avir, ils ont été gozer. Va à tour abanan de Shmonim Shana, ils sont venus les chachamim de Shmonim Shana, et ils ont été gozerim à avira l'itlo, de dire que le avir, on est tolé. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est qu'on est tolé, c'est-à-dire que ni on brûle, ni on mange. Dès que la trauma, elle rentre dans le avir, alors c'est quoi une trauma qui rentre dans le avir, pas dans une boîte, c'est une trauma qui rentre dans une boîte qui est ouverte vers le bas. Parce que l'idée, c'est d'être, ouvert vers le bas. Si j'ai une trauma dans ma main, c'est quoi, c'est considéré comme quoi? Ou dans ta main, t'as les petits doigts qui sont ouverts comme ça. Si c'est dans une boîte, il est dans une boîte, ou alors une boîte ouverte, te dirais-je. Une boîte ouverte qui est ouverte vers le bas. Mais dans ta main, ça veut dire que c'est considéré comme s'il touche la terre? Je sais pas. Je crois pas, mais je sais pas. J'arrive pas à comprendre la notion de Tlial. De toute façon, le truc, il est. Alors non, parce que le truc, quelle différence il va avoir entre Tolé ou Soré? Normalement, Tolé, on va l'utiliser. T'as raison. Normalement, Tolé, ce qu'on appelle Tolé, c'est quand c'est un Safek. De Troumat Mea, okay. On est tolé, pourquoi on ne brûle pas? Tu veux dire, ça va, de toute façon, tu ne peux pas le manger. Tu ne peux pas le brûler. Quand il y a une autre, brûle. Alors, non, brûler, c'est sûr de brûler la Trouma. Si la Trouma elle est encore Théora, tu le brûles, tu fais un essor. Donc, comme tu es dans le Safek, tu l'as. Donc, là aussi, sur le Havir, c'est quelque part aussi, c'est un Safek finalement, Troumat Amin, puisque de peur qu'il y ait des morts, il n'y a pas de morts. Donc, vu que c'est un petit peu aussi un Safek, ils ont laissé un petit peu. Est-ce qu'on peut le faire à quelqu'un, par exemple à un gosse? Non, tu peux rien faire, ni être né, rien. Tu laisses moi dire jusqu'à que. Si t'es dehors, t'as plus le droit, et si les trucs, ton moment, c'est. Très bien. T'es dans la dope. Maintenant, la Gemara te dit que. Donc, c'est ce qui ont été Godrim, les Rabbanam Shel Shmonim Shana, de dire que le Avir, on est tolé. La Gemara te dit les Memras des Khadak Zerta Havel Isrefa. Donc, ça veut dire qu'en réalité, à la base, quand Yossi, ils ont été Godrim sur le. Eretz Amim, le Amgusha, Agusha, ils ont été Godrim direct Trefa. Pourtant, on avait vu hier que Ilfa, il a dit que Trilat Zira Trefa, c'était seulement sur Yadaim. D'accord, regarde ce qu'on avait dit. Ve Amarifa, Yadaim Trilat Zira Tam Nisrefa. Yadaim ou des Trilat Zira Tam Nisrefa. Hamida Harinello. De cet enseignement de Ilfa qui nous dit que Yadaim, eux, direct, on a été Godrim que quelqu'un qui touche avec la Trouma avec ses mains, on la brûle. Direct. On n'a pas dit au départ, allez, venez, on met tolé. Et après, on a rajouté, on a fait un deuxième décret, on a dit qu'on va le brûler. Non, direct, c'était l'Israéfa. Machma de Ilfa, c'est seulement Yadaïm qu'on a été godé à l'Israéfa direct, alors qu'un autre, non. Donc, comment tu peux me dire que Yossi, donc, on était direct en disant qu'on brûle la Trouma? Alors, l'Agma dit, non, t'as raison. Donc, on va décaler un petit peu la chronologie. Et on va dire que. Et là, Atoïnou Gazour Agusha Litlot. Vira Velokloum. Eux, ils sont arrivés au départ, ils ont dit que tu sais quoi, tu touches une terre de Khoutsalaret, on est tolé, on n'est pas sur F.
Donc effectivement, on n'a pas commencé par Kebab. Avir rien. Et après, ils sont venus à Rabbanim de Shmonim Shana. Il y a Avir Tolé. Ils ont dit Avir Tolé et Goucha, hein, c'est vrai. C'est bizarre quand même que. Bah, tout Rabbanim de Shmonim Shana, Gadro à Goucha, Yitrov et Avir Alitlo. D'après ce que tu viens de dire, que c'est Safek. Comment les Rabbanim, ils ont pu venir, ils ont dit c'est plus Safek. Non, bah, après, on voit que les Rachamim, même dans les cas où Bichat c'était Vadaï Taor, et que les Rachamim, ils ont voulu te dire. On est Mahmir, les Rachamim, ils ont ce koach là de pouvoir te dire qu'on en est sur Ref. Ça, c'est un koach que les Rachamim ont. Non, ils n'ont pas utilisé tout le temps ce koach là. T'es forcé de voir, on voit dans plusieurs cas où les Rachamim ont dit voilà, ce cas là, normalement, Minatora, c'est pas tamé. Minatora, la Torah, elle te dit, c'est avec Doraïta la Kula par exemple. Tu brûles pas. Les Rachamim disent non, on brûle. Donc, les Rachamim peuvent te dire de brûler quelque chose que Minatora, tu aurais eu un issue de brûler. C'est un petit peu. C'est une remarque ça, mais les Rachamim, ils le font. Ils le font ça. D'accord. En tout cas, on te dit maintenant que. C'était comme ça l'étape. La elle pose la question, elle te dit, mais voilà, sache qu'il y a une autre étape des mésaventures du Sanhedrin, qui était à Oucha. Et Oucha, c'était bien après le Khurban Abayit. D'accord. Oucha, c'était bien après le Khurban Abayit. Et c'était là-bas que ils ont été Godrim, cette Zira de Eretzahamim. C'est après Yavne. C'est après Yavne. Yavne, c'était au moment du Khurban. Yochanan Ben Zakkai, il est parti à Yavne. Donc justement, c'était là. Le Sanhedrin était le Khanouyot. Après Yochanan Ben Zakkai, hop là, Yavne. Yavne, Oucha, Yavne, il y a eu des allers-retours. Tifori, il y a eu des. C'est par rapport à Nassi. C'est ce que je vous dis par rapport à Nassi, exactement. Maintenant, la Gemara, elle te dit que c'est à Oucha qu'ils ont décrété ça. D'où on sait que c'est à Oucha, parce que vous voyez, il y a une Mishnah qui nous dit toutes les choses qu'ils ont décrétées à Oucha. Alors, il y a marqué quoi? Que. Veakatebe, Oucha Gazur, Detnan, c'est une Mishnah. Quelqu'un nous dit cette Mishnah dans Taharot. Alvav Sfekot, Sorfine Tatrouma, sur 6. Safek, les Chachamim ont dit que tu sais quoi, c'est vrai que c'est Safek, mais on brûle quand même la Trouma. Bien que normalement, Safek, c'est Tolin. Sur 6 Safek, on brûle la Trouma. C'est quoi ces 6 Safek-là? Safek Bet Apras. Donc, c'est quoi Bet Apras? Bet Apras, c'est, on avait déjà expliqué un petit peu cette notion-là, hein. C'est Sadesh Nechirash Bakever. T'as un Sadeh dans lequel il y avait un cercueil, et tu as été Choresh. Donc là, cet endroit-là, c'est Safek, c'est un Kever, en fait, finalement. Safek Bet Apras, on est sauf la Trouma quand même. Al-Safek Afar Abameret Samim, donc Safek aussi, donc c'est notre cas à nous. Safek Bigde Amaret Anamaret, on ne sait pas ses habits, si lui il est à Betahara, pas Betahara, on ne sait pas comment lui il fait attention avec la Toum'a, etc. Safek Bigde Amaret, on brûle. C'est pas la même chose, hein. Là on dit si tu l'emmènes dans Aret Samim, mais là c'est Safek du terre qui est venu. Ah non, mais toi, quand on dit à gauche, quand tu es Godrim sur la terre de Aret Samim, tu prends la terre de Aret Samim, tu l'emmènes en Eretz Israël, c'est kiff-kiff. J'ai compris, mais ça veut dire que là. C'est Safek si c'est. Si ça a touché la terre de Retsamim. Si ça a touché la terre de Retsamim. Alors que nous, la Xéra, qu'on vient de dire, c'est si on l'a emmené à Retsamim. Non, emmené, toucher la terre ou Avira. C'est Avira. Ouais, d'accord. Juste emmener, c'est Avira. Pas de Safek si ça a été touché ou si c'est dans la ville. Non, quand on parle de Safek, si ça a touché la terre de Retsamim, non. Ah, c'est un Safek si il y a la Touma. J'avais pas compris. C'est ça, parce que moi, va dire ça juste après. Et. Tu vois, c'est ce qu'il regarde, ce qu'il te dit. Que Kol Afar Retsamim, c'est un Safek. C'est pas Safek si c'est un terre. Quand les Retsamim sont avec, ce qu'on veut dire, c'est vrai que la chenille est un peu légume. Mais, Al-Safek Afar Abam Retsamim, Al-Safek Bigde Amaret, Safek les Bigadim d'Amaret, on a dit, Al-Safek Kilimanim Tsaim, t'as trouvé un kili dans la rue, je sais pas d'où il vient, c'est quoi, de quelle nature il est, truc, tu as une trauma qui touche ça, on brûle. Pas de pitié. Et Meragle Behema, Meragle Adam, Shekenegan Meragle Behema, ah j'ai sauté, j'étais marqué là, Al-Safek Arokin, un roc, tu trouves de la salive par terre. Peut-être c'est de la salive. Voilà, peut-être c'est pas, peut-être c'est de la salive d'un zav, c'est pas la salive d'un zav. C'est intéressant ce que tu dis. On est en train de s'habituer à s'éloigner de ces choses-là. Ben c'est ça, tout le monde est à ras, là, c'est vraiment. On commence à prendre des distances. C'est vrai, hein, c'est vrai. L'agma, elle te dit que Safek Arokin, Safek Rock, hein, Safek salive. Donc une salive, quoi, tu sais pas si c'est d'un zav ou pas, tu brûles la trauma. Pareil, si tu trouves du Meraglaïm d'un zav ou du Nida. Toutes ces choses-là, on sait que c'est tamé. Vel meraglaim, ça fait que meragle Adam, chez Keneged meragle Behema. Donc là, tu as trouvé des. On a trouvé que c'est de l'homme ou. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que ça. Tu sais pas si c'est. Ça vient de l'homme ou de l'homme. D'un homme, exactement. Donc là, c'est pas comme les autres, on avait dit, tu sais que ça vient d'un homme, mais tu sais pas si c'est d'un homme ou pas. C'est qu'un petit peu un sexe fréquent ici. C'est que tu sais pas si c'est d'un homme taor ou d'un homme tamé. Et tu sais pas peut-être si c'est d'une béma. Peut-être c'est d'une béma, t'es d'un homme. Et même si c'est d'un homme, t'es d'un homme tout à l'heure. Et malgré ton bruit. C'est Keneged Meragle Behema. C'est-à-dire que même si ça ressemble, tu compares à l'aspect, ça a la même couleur que les Meraglaïm d'une béma, tu dis, ah, peut-être c'est sûr que c'est les Meraglaïm de ma béma. On te dit non.
Pas sûr. Et tu brûles. Ve'al vadaï magaan. Et donc ça, c'est les six choses. Et ça, on te dit, al vadaï magaan. Ve'al safektum atan sorfin. Quand on est vadaï, tu l'as touché vadaï. Et ces choses-là qui sont safekt meim, tu brûles. Tu brûles la trauma. C'est que, en fait, c'est qu'on parle que c'est, ils sont, c'est toutes ces choses-là, ils sont safekt meim. Tu les as vadaï touché. Et ça va t'exclure. Qu'on ne parle pas d'un cas où tu es safekt si tu les as touché. On parle de tu les as vadaï touché. Ah. D'accord. C'est le safek, il est dans le sens de la touma, il n'est pas dans le sens de la negia. La negia. Ce que je dis, le safek, il est sur la touma, mais il n'est pas sur la negia. La negia, tu l'as fait de vadaï, mais la touma, elle est safek. C'est la touma qui s'appelle. Sorfin est ta touma. Et Rabbi aussi, lui te dit que. Ah, fal safek magaan de chuta. Alors, Rabbi aussi te dit que safek magaan. Donc, on a dit que les verbes, donc, c'est la voilà, on a expliqué pour on a pris le sota, etc. Rechuta yachit, sfeko tamé. Rechuta yarabim, sfeko taor. Donc, lui te dit que voilà, il te dit que dans ce cas-là, Rabbi aussi, on est. Ah, fal safek magaan. Sorfin. Même si jamais tu n'es pas sûr de l'avoir touché. Donc c'est super Khumra alors. Donc une grosse Khumra, exactement. Parce que c'est Rushtayachid. Les Khachamim te disent que Birchtayachid on est Tolin, on ne brûle pas, on est Tolé. Et Birchtayachid c'est Taor parce que ça fait que tout même Rushtayachid, ça fait que Maga on est Taor, Metaher. En tout cas, on voit que c'est avec où ils ont été Nigdarim, nous a dit Oula, Vermar Oula, et nous va se code Beushaït qui nous. Donc c'est à Oucha, bien après la destruction du Betamigdash, qu'on a fait Toumatahamim. Alors la Gemara te dit, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, il faut qu'on comprenne les trois étapes. Premièrement, Yossi. Deuxièmement, Shmonim Shana. Et troisièmement, Aoucha. Comment s'est passé ces trois étapes? Alors la Gemara te dit, finalement, il faut comprendre comme ça. Que première étape, c'était Atu Inu, ils sont arrivés Yossi. Gazou, Agusha, Litlot. On avait dit, on n'a pas commencé par Stéphane, on a commencé par être Tolé. Ils ont dit que celui que Trouma qui touche de la terre de Khutsalaret, on est Tolé, on ne brûle pas. Et Avira, ils n'ont rien dit. Avira, l'autre, donc ça, on reste. Atura Banan de Shmonim Shana, ils ont juste décalé par rapport à Idividit Lot. Ils ont rajouté aussi que même le Avir, on est tolé. Mais ils n'ont rien touché par rapport au Gouche. Le Gouche, ils sont restés qu'on reste sur une Kriya et qu'on n'était pas sur rêve. Et ils sont venus à Usha, ils ont été Gozrim, que Ve Atu Be Usha, Gazur Agusha Lisrov, Ve Avira Kadekae Kae. Ils ont laissé le Avir tel quel et sur le Gouche, ils ont brûlé. Très bien. Maintenant, juste, on termine un petit peu, encore la suite. La soudain, il y a un rapide aussi, Klitrochit. Donc la deuxième grade de Yossi, c'était Klitrochit. Donc là, on a dit Maïtama Gazorbu Rabanan Touma. Pourquoi les Khamim ont été Gozrim Touma sur le Klitrochit? On arrête dans la Torah, pourtant, c'est quoi les Klim qui sont marqués dans la Torah? Il y a Klietz, il y a Klicheres, il y a Klimateret. Il n'y a pas de Klitrochit. Et surtout qu'aujourd'hui, l'alachiquement, le Klitrochit, c'est le truc le plus. Le plus grand, le plus vieux. C'est le. Alors, la cachérisation, c'est une autre problématique. Là, on parle surtout par rapport au problème de Mekamel Touma. Alors, la Gemara te dit, pourquoi ils ont été Gozrim, alors que la Torah, non. Avec l'Isrochid, Maïtama Gazombura Banan Touma, Marbi Ochanan Marishlakish, O Ilu Trilat Briatan Minachol, Shavu Rabanan Kikliheres. Finalement, c'est fait à base de quoi le Isrochid? À base de sable. C'est comme l'argile, c'est comme du Kheres, ça ressemble beaucoup au Kheres, donc c'est pour ça que les Khamim, ils ont donné. La Gemara elle va dire, mais finalement, ça ressemble au Khéres, mais finalement, est-ce que tu lui as vraiment donné toutes les mêmes règles que les Klicheres? On sait très bien que par rapport à Touma, le Klicheres, il a quelques particularités. Et la suite de la Gemara, ça va devoir d'analyser les particularités du Klicheres et de voir est-ce qu'on les a vraiment appliquées et pourquoi on ne les appliquerait pas aussi au Klicheres, sachant que le Klicheres, on l'interdit à cause du Klicheres. La Gemara te dit, par exemple, première particularité du Klicheres qu'on n'a pas vraiment trouvé dans le Klicheres, et donc la question se pose pourquoi. Et la Meata, l'Otel, la Entar, à Bamigué, tu ne devrais pas pouvoir les purifier au Migué. Pourtant, il y a marqué que le Klicheres, tu peux le purifier au Migué. Ah, la Matan, pourquoi il y a marqué dans une Mishnah que tu peux le purifier au Migué, dans Migvaot, la Mishnah. Velu, Chotzetin, Bekelim, il y a marqué que de quel son, voici ce qui fait une Khatsitsa. Lorsque tu vas purifier au Migué un Keli, il ne faut pas qu'il y ait une Khatsitsa. Lorsqu'il y a une petite poussière, c'est pas khatitsa, parce que tu la mets dans l'eau, ça tombe avec l'eau. Mais il y a des trucs qui sont collés sur le keli, c'est une khatitsa. Quoi par exemple, Zefet, du goudron, ou alors du mort, c'est dans les lectorettes là. Comment ça s'appelle, une bessamim, c'est un des semamanim. Alors Rachid, il ne rapporte pas le nom. Le mort, non? Ah bon, je sais pas. En tout cas, ces deux choses là, beklis rochit sur un klis rochit. C'est une khatitsa. Donc on voit que tu peux amener le migvé. Réponse de la Gemara, Rabbi Machin, sinon, klisrochit normal, c'est comme le klisrochit, tu peux pas le mettre au migvé. Pourquoi le klisrochit là-bas, tu peux le mettre au migvé? Parce qu'on parle d'un klisrochit que tu as, qui est chez Nikvu, Vetif, le Toran, Ava. On parle d'un klisrochit qui a été troué. Et donc toi, tu voulais arranger ce trou-là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis du Ava, c'est du plomb. Tu as mis du plomb pour fermer le trou.
Donc finalement, et Rabbi Meir lui pense que Akol Olech Achara Ma'amid, ce qui maintient, ce qui donne la consistance au Keli, c'est comme ça que le Keli va avoir un statut. Donc c'est vrai que là-bas c'était du Shrochit, mais vu qu'il s'est cassé, et tu le refais tenir grâce à du plomb, donc finalement ça s'appelle un Keli de plomb en fait. C'est pour ça que ce Keli-là, tu peux le purifier au Mikveh. C'est ce que nous dit Ver Rabbi Meir, Ide Amar Akol Olech Achara Ma'amid, tout va selon le Ma'amid. Des Tanya comme il est marqué, Klis Ruchit Chenikvu, un Klis Ruchit qui a été troué, Vetif le Tokhan Avar, et tu as mis à l'intérieur du plomb. Amar Rabbi Shimon Ben Gamliel, Rabbi Meir met Tamé, Rabbi Meir lui dit que c'est Tamé parce que finalement ça redevient comme un vrai Kli grâce au Mahamid, grâce au plomb. Et Chachamim et Tarim, Chachamim te dit non, c'est Taor, c'est comme un Kli Resh qui a été troué, bah c'est ça, la façon d'être Metaher un Kli Resh, c'est de le casser. Donc là c'est comme un Kli Resh qui est cassé, donc il est Taor, on va pas lui donner le statut du Mahamid de ce qui lui a redonné. Une consistance. Radakwa, on bénit Abraham Hashem, on daf tezai.